Bonjour à tous, petit tuto pour démonter un Lenovo ThinkPad T560 ou similaire. Commencez par enlever la batterie externe sur la face inférieure de votre portable. Dévissez ensuite les 8 vis inférieures complètement. Celles-ci restent en général solidaires à la coque après dévissage complet. Utilisez un plectre de guitare ou similaire pour désassembler délicatement le pourtour de la coque sans forcer, surtout sur la partie proche de la batterie externe. On peut à ce moment changer la RAM assez facilement en déclipsant de part et d'autres des barrettes. Remplacer la batterie du BIOS qui est ici. Mais avant toute chose, il convient de débrancher la batterie interne si elle existe. Il est également aisé de changer le disque dur. Pour démonter l'écran, il faut débrancher ces deux câbles flexibles plats en soulevant doucement leur attache en plastique, ainsi que les connexions LTE et Wi-Fi. Je vous conseille vivement d'utiliser un bracelet antistatique pour éviter les courts-circuits. Dévissez les charnières du panneau de l'écran LCD. Déconnectez enfin les câbles flexibles plats précédemment décrits. Soulevez les charnières afin de dégager les câbles du panneau principal et enfin retirez le panneau de l'écran LCD. Il faut déloger tous ces câbles il y a quatre vis à enlever pour retirer l'écran LCD et le changer. Enlevez complètement la charnière à droite pour faciliter le délogement final des câbles. Voici le câble principal de l'écran LCD. Il est assez facile de changer câble ou écran. Dans ce cas de figure, le problème et la panne venaient de la connexion du LCD qui, lors de la chute du PC, s'est délogé de son emplacement, comme illustré ici. On voit nettement l'asymétrie à gauche et le délogement de la pièce. Une simple reconnexion a permis de récupérer l'image. Le remontage est enfin réalisé en suivant la procédure inverse. Ceci est applicable pour bon nombre de PC de Lenovo.